On est rendu vendredi. On a changé de place. On est rendu dans le parc Cavendish, un parc national. Plus au milieu de l'île du Prince-Édouard. Et là, on a mis à l'eau. C'est la deuxième journée de kayak qu'on fait. Il y a eu un petit peu de pluie hier et tout ça. De telle sorte que là, il y avait une belle percée de soleil un matin. Fait qu'on est sorti. Il y a un petit peu de vagues pour rentrer. C'est un petit peu... Oups, il y en a une grosse, là. Je reviens tantôt. Je disais donc, avant que la petite vague me ramasse, on est à l'autre côté des vagues qui cassent, là, mais les vagues sont rondes, mais des fois c'est assez... faut faire attention. Bref, on s'en va pour une petite journée de kayak au soleil, puis on profite de la région. Là où on vient, ça a été quand même agréable, on a fait de la visite. On est allé visiter des beaux petits ports marins avec des gens qui s'apprêtaient, des pêcheurs qui s'apprêtaient à partir avec les cages à homards, tout traqué sur le bateau. C'était vraiment le fun. C'était authentique. C'était pas juste pour les touristes. Fait que c'est ça. Je vais y rejoindre Claude qui m'attend, puis on se reparle plus tard. Ciao! Dans les vagues. Les vagues de deux pieds aujourd'hui, un vent de dos. Et ça va super bien, c'est enivrant comme situation, être en pleine mer comme ça et profiter de ces belles vagues-là qui nous font valser de gauche à droite. Et, j'espère que le film va rendre vraiment justice à ce qu'on vit présentement. Finalement, c'est super calme aujourd'hui. Il n'y a pratiquement pas de vagues. C'est juste à peine des ondulations. Fait qu'on accueille tranquillement pour vite, mais on va rentrer bientôt. Finalement, moins d'énergie que je pensais aujourd'hui. Fait qu'on va aller relaxer. De toute façon,
On dirait qu'il y a des petits nuages de pluie qui s'en viennent. Fait qu'on va clore cette petite journée de kayak, en fait, quelques heures de kayak. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, on est samedi fin de journée, il est 7h même. On vient de terminer de souper, on s'est fait prendre un peu par un orage. Aujourd'hui, on est allé faire du kayak encore pour la deuxième fois à Cavendish. On est parti ce matin, superbe, de belles conditions, c'était calme, c'était doux. Les petites vagues de rien, beaucoup moins fortes qu'hier. On a fait à peu près comme une distance d'à peu près 4 à 5 km. Et puis le mauvais temps commençait à apparaître au large. Donc on a décidé de virer de bord. Et en virant de bord, on a frappé un changement de température. On a frappé des vents de 25 à 30 km. Ça a pris un certain temps. On a été face au vent longtemps, un bon bout de temps. Mais ça a pris un certain temps à ce que les vagues se forment avec le vent. Et à un moment donné, on a tombé dans des vagues assez impressionnante, les vagues de vent. En plus, l'effet du vent contre nous, donc, qui nous affecte quand même pas mal. Là. C'est un sixième, donc des vents de 25-30 km, là, ça fait à peu près, les vents nous affectent à peu près à 4 km. Donc, il faut avancer de 4 km face au vent de 25 km pour être stationnaire. Donner une idée, c'est quand même assez intense. Donc, on a pagayé pas mal fort, et puis on est allé s'accoster à une plage à un certain moment donné, qui est à peu près 1 km avant notre camping. Et le dernier bout, on l'a fait en marchant avec nos kayaks sur la plage. On a marché à peu près 1 km dans le sable. C'était vraiment rigolo, là. Mais c'était quand même le fun. Impressionnant d'être dans un étendue d'eau comme ça, puis de vivre un changement de température assez rapide et intense. Parce que quand on est parti ce matin, les vents étaient à peu près 8-10 km. Et puis, c'est passé de 8-10 à 25-30, là, quasiment un très très court laps de temps, là, peut-être en moins de 15-20 minutes. Et puis, avec les éclairs au loin qu'on voyait, puis les formations nuageuses. Donc, on est revenu, ça a super quand même bien été. Suzanne a eu un petit peu peur. Un petit peu. Mais elle était quand même bonne, elle a quand même bien fait ça. Le retour était quand même... Éprouvant, mais ça a bien fait ça. Ouais. Donc, ça clôt un peu notre journée d'aujourd'hui, de samedi, notre deuxième journée à Jacques-Cartier. Mais non, on n'est pas à Jacques-Cartier. Pas à Jacques-Cartier, à Cavendish. Ouais. La deuxième journée à Parc Canada, au fait, à Cavendish. Il nous reste encore deux dodo. Et on part d'ici lundi pour... Red Point. On allait dire South Point, mais Red Point. Ouais. Donc, on était exactement à mi-chemin de nos vacances. Mm-hmm. Et là, on s'en va du mauvais côté, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, mon capitaine. On va vous faire part de la suite de nos palpitantes aventures en mer. Le capitaine et son Gilligan. Impressionnant. Dernière journée à... Ben, pas la dernière, on part demain. Non, ben, la dernière journée complète, ouais. Au parc Cavendish. Moi, j'avais eu ma dose de kayak. Alors, on a décidé de faire une belle randonnée aujourd'hui. les vagues d'hier avec le vent qu'on a eu hier, là. Ouais. C'était assez impressionnant. Aujourd'hui, randonnée, c'est super beau quand même. Puis la randonnée se promène dans le bois, mais on va aussi sur les bords de la grève.
c'est quand même le fun. Ouais, on relaxe. Exact. Demain, ça va être un départ vers Red Point sur la côte Est. Ouais, demain matin. Alors, on continue notre belle balade, puis on va parler plus tard. Bye.